Au loin dans le temps, très loin d'ici, la planète Nouveau-Texas flotte aux confins de l'infini. Ciel puissant où brillent trois soleils, roches de kérium pour lesquelles on se bat. Rasta! Rasta! Un jour, un justicier sur son cheval apparaît. Protecteur de la paix, héros venu d'ailleurs, champion de justice, Marshall Bravstar. C'est vraiment une belle journée. Ouais, on a connu pire, c'est vrai. Et tout est calme. Ah. Oui, c'est ennuyeux. Beau temps et tranquillité, voilà les vrais plaisirs de la vie. Je ne suis pas du tout d'accord. Il y a un orage du côté de l'Hexagone. Ouais, mais nous n'aurons pas la chance que la foudre détruise le repère de Texex. Chasser ces mineurs, ces commerçants et tous ces envahisseurs. Ils sont encore là. Toujours là. Oui, oui, c'est vrai, ils sont toujours sur ta planète pour l'instant. Mais... Il n'y a pas de mémé qui tienne. Je t'avais demandé de chasser tous ces nouveaux arrivants de ma planète et tu as échoué. Le nouveau Texas est à moi et je veux y faire régner le mal et l'injustice. Oui, je sais tout ça, mais si tu crois que c'est facile, et ce brave star est toujours là. Brave star, assez! Arrête de le citer à chaque instant, je ne veux plus de cette excuse. D'accord, je vais m'occuper de lui, je vais l'éliminer. Non, tu as eu ta chance, et maintenant je t'ordonne de quitter l'Hexagone. Le quitter? Oui, c'est bien ce que j'ai dit de quitter. J'ai appelé quelqu'un d'autre pour faire le travail et te remplacer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as fait venir quelqu'un d'ailleurs pour me remplacer? Mais c'est ridicule. Qui que ce soit, il sera moins fort que moi. Je vais te montrer ça. Tu veux le montrer tout de suite? Alors vas-y, essaie. Je te présente ton remplaçant. Et lui, au moins, il réussira à chasser efficacement tous ces mineurs et ces nouveaux arrivants. Alors, j'ai cru t'entendre dire que tu étais plus fort que n'importe qui. On peut voir tout de suite lequel de nous deux écrasera l'autre. Mais nous allons du calme, l'ami. Je parlais juste histoire de dire quelque chose, mais c'est tout que... Je suis le grand Morabond et je ne suis surtout pas ton ami, tu entends? Ah oui, ah ça bien sûr, j'entends très bien, ne t'énerve pas. Approche, mon joli. «
C'est à toi, ça? Bien sûr que c'est à moi. Et il s'appelle Grox. Oh, bonjour, Grox. Écoute, Morabon, je crois qu'on devrait s'entendre, toi et moi. Après tout, on est du même côté, tous les deux. Non, Tex, tu n'es plus d'aucun côté, c'est fini. Tu vas disparaître. Non, mais là, attends une petite minute. J'ai dit que tu allais disparaître, alors adieu. Oh non! Non! Je t'en prie! Allez, Morabon, c'est à toi de jouer maintenant. Mène la vie dure à ces envahisseurs. Oblige-les à s'en aller. Rassure-toi, ça va pas être long. Bonjour, Molly. Tout va bien? Oui, Marshall, tout est tranquille, c'est une vraie balade. Je vais vous accompagner jusqu'à Fort Kerium. Je vous retrouve juste après le pont, Molly. Arrête-toi là, Grox. Regarde un peu qui est juste là en bas. Le Marshall Bravestar lui-même. Ce joli pont va lui réserver une belle petite surprise. Allez, on s'en va, Grox. Je ne veux pas encore me faire voir. Ah, on a un petit problème, je crois. Montre-moi un peu comment tu sautes, 30-30. Regarde, le pont s'écroule! Ah, ils ne passeront jamais! D'abord, il faut éloigner ce serpent mécanique. Ensuite, il suffit de maintenir ce pont quelques instants. Et voilà. Tout va bien, Molly? Oui, grâce à vous. Et on a vraiment eu chaud. Vous savez ce qui s'est passé, Marshall? Il y a quelqu'un par ici qui nous veut beaucoup de mal. Ça sera moins facile que je le pense et ils sont moins impressionnables que je l'espérais. Et alors? Alors ils vont m'obliger à faire quelque chose d'assez terrible, quelque chose qui va les traumatiser. Et tu sais quoi? Attends une minute, oui, j'ai une idée. Les soleils, je vais les voler et les garder à l'abri en attendant que les habitants s'en aillent. Ils s'en iront d'ici s'il fait toujours noir. Tu veux voler le soleil? Ah, toi au moins, tu vois très grand. J'aime beaucoup ça. Il y a 3 soleils, alors laisse-en un. Je crois que l'avertissement suffira. Ah, oui, ça va faire le vide sur la planète. Mais attends, explique-moi. Ces soleils se trouvent très loin d'ici. Alors comment est-ce que tu vas réussir à pouvoir les atteindre? Ma flèche fusée n'aura aucune difficulté, rassure-toi. Bravo, c'est une excellente idée. Voler les soleils. Ne restez pas là. Abritez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet étranger est inquiétant. Allez donc lui demander ce qu'il veut. Je suis le Marshall Bravestar. Je peux savoir ce qui vous amène? Oui, j'ai quelque chose à dire à tous les habitants de cet endroit. Si c'est très important, dites-le-moi tout d'abord. D'accord. Il y a un vaisseau interspatial qui s'en va d'ici demain à midi. Que tout le monde soit à son bord quand il s'envolera. C'est hors de question. C'est la seule solution intelligente. Alors je vous le conseille une dernière fois. Allez-vous-en tous d'ici. N'oubliez pas, vous devez partir d'ici demain à midi.
Quelle chaleur! Les trois soleils sont à leur plus haut. Voilà. Il est midi et il ne s'est rien passé. Oui, j'avais raison. Cet étranger a seulement voulu nous faire peur. Soleil a disparu. Oh, mais c'est incroyable. Mais regardez, il n'y a plus de soleil. Mais comment va-t-on faire? Oh, mon Dieu! Oh là là! Oh, un autre soleil a disparu. Oh, mais il faut faire quelque chose, Marshall. Oh, moi, je rentre vite vers mes bagages. T'as raison. On ne peut pas vivre dans le noir et il commence à faire froid. Je vais prévenir le conseil. Marshall, c'est forcément cet étranger qui a fait cela. Allez l'arrêter. Oh non, ça ne suffirait pas, je crois. Il doit travailler pour quelqu'un. Il n'y a qu'un être assez fou pour avoir osé faire ça. C'est Stampede. Mais il n'y a aucun espoir alors. Personne ne pourra rien. Non, attendez. Il y a peut-être quelqu'un. Shaman. Avance, brave star, j'attendais ta visite. C'est très grave, Shaman. Deux des soleils ont disparu. Tu sais s'ils existent toujours? Oui, ils existent toujours. Aucun être vivant ne réussirait à détruire les soleils. Ils sont seulement cachés. Dès qu'ils seront relâchés, ils retrouveront tout naturellement leur vraie place dans le ciel. Oui, bien sûr, mais... Et c'est à toi de réussir à les trouver d'une façon ou d'une autre, brave star. Le problème, c'est que je n'ai aucun indice, alors où les chercher? Pour l'instant, cherche dans ta mémoire. Longtemps en arrière, nous étions sur une autre planète qui n'avait qu'un soleil. Et je te faisais jouer à un petit jeu pour aiguiser les perceptions de tes sens. Dis-moi dans quelle direction se trouve la rivière. Oui, et comment tu as trouvé? Et en écoutant couler l'eau. Bravo. Dans quelle direction sont les montagnes? Par là, je sens les pins. Oui, c'est très bien. Et dans quelle direction se trouve l'est? Et pourquoi en es-tu tellement sûr? Ben, il est tôt le matin et je sens la chaleur du soleil qui se lève. Tout ceci prouve qu'il est possible de trouver ce qu'on ne peut pas voir. L'usage de la réflexion peut parfois se montrer beaucoup plus efficace que l'usage de la vue. Non, rien à faire, on ne voit rien du tout. Non, c'est vrai, on n'entend rien non plus, on ne sent rien. Attends une petite minute. Quoi? Qu'est-ce que tu murmures à voix basse? Non, je pensais à ce que Shaman a dit. Quand rien ne réussit, il reste toujours la réflexion. Toujours rien, brave star! Toujours aucune trace de soleil! Tu as pensé à regarder derrière les arbres et les taillis? Enfin! Tu crois vraiment qu'on peut cacher des soleils derrière des arbres et des taillis? Ils sont brûlants, ils sont brillants et ils sont gros! Hé, attendez! Tes paroles viennent de me donner une idée. Si on ne peut pas les voir, c'est qu'ils sont sous terre. Mais où ça? Sous terre? Attends, peut-être dans une mine? Non, les mineurs nous les auraient déjà signalés. Attends, Jeb White était parti tout récemment. Il y a donc une mine abandonnée. Ah ben, tu as raison, il n'avait pas trouvé de carium, alors il a préféré arrêter et s'en aller. Est-ce que l'un de vous deux sait où était la mine de Jeb White? Oui, un jour il a expliqué qu'elle était près du rocher noir. Alors il faut y aller sans perdre de temps. Bonne chance, trouvez-les vite. C'est vraiment trop triste ici sans les soleils. Fuzz!
Je viens d'avoir des nouvelles du Conseil Galactique. Et cet étranger, ce moribond, est recherché sur 3 planètes. Nous avons l'ordre de vite le capturer. Enfin, sais-tu où est Brave Star? Oh ben, il vient juste de partir au Rocher Noir. C'est très gentil de la part de ce mineur d'être parti. Cet endroit est idéal pour y cacher les soleils. Les galeries s'enfoncent loin dans la montagne. Personne n'aura l'idée de venir les chercher ici. Je ne veux courir aucun risque. Tu montes à la garde ici, c'est compris? La mine doit se trouver quelque part par ici. Mais où? Mon optimiseur va peut-être m'aider à la trouver. Dis donc, c'est bizarre. Hey, regarde plutôt un peu par ici. Non, écoute, pas maintenant. Oh, mais t'es devenu fou ou quoi? Mais regarde! Ce cactus dépérit à vue d'œil. Une source de chaleur souterraine le tue. Ça veut dire que les soleils sont cachés par ici. Bravo, bon travail. Je me demande bien ce que tu ferais sans moi. Les traces de 30-30, ils ne doivent plus être tellement loin. Ce chemin doit conduire à la mine, alors ouvre l'œil 30-30, elle doit être tout près d'ici. Ne faites pas un pas de plus, Marshall. Attends, je vais m'occuper de lui. Non, non, attends, 30-30, laissons-lui une chance. Jetez votre arbalète et laissez-moi passer. Ah oui, d'accord, Marshall. Regardez comme je vous écoute. Mais je crois qu'ensuite, il serait très sage de parler. Prends garde à lui, il nous cache quelque chose, je parie. Oui, mais je veux voir ce que c'est, justement. Allez, vas-y, toi, là-haut. Et voilà le résultat. Une fois de plus, j'avais raison. À moi, la force de l'ours! Donne-moi une bonne ruade pour me faire rouler 30-30. Ensuite, suis-moi. Ça suffit comme ça. Oui, tu as entendu ce qu'il t'a dit. Ça suffit comme ça. Un seul petit geste et je t'envoie en enfer. Oh, oh. Oh, mais dis donc, tu cognes sec, toi, mais tu vas le regretter. Bon, d'accord, d'accord, tu l'auras cherché. Voilà, Brave Star, je crois bien que j'arrive juste à temps. Tu vois, je n'ai besoin de rien pour t'écrabouiller. Oh, oh, je ne sais pas comment tu as fait ça, mais tu vas le payer très cher. Tu ferais bien mieux de renoncer et de vite repartir d'où tu viens. Qu'est-ce que tu racontes, Froluquet? Tu crois que j'ai peur de toi? Pourtant, tu devrais. Quand tu voudras te rendre, n'hésite surtout pas à le dire. Oh! Accroche-toi, John, j'arrive! À moi, la vitesse du puma! Merci, c'est gentil. Oh, tu m'as évité le pire. Maintenant, ça va. Grog, sans avant! Regardez! Oh, il est hors de question de le laisser s'enfuir! Les soleils sont cachés ici, j'en mettrai ma main au feu. Alors qu'est-ce que tu attends pour y aller, Brave Star? Mais ça va te réchauffer, tu vas griller là-dedans. Laisse-moi faire, je vais vite le faire sauter, ce rocher. Non, attends, je crois qu'il vaudrait mieux réfléchir d'abord.
Les soleils sont dans une galerie, très exactement ici. Peu profondément enfouie, mais il fait une chaleur insoutenable là-dedans. Notre seule chance, c'est de faire une toute petite ouverture. Alors ils s'en iront sans nous brûler. Je vais juste faire une entaille dans le rocher. Attention, ça y est presque. Encore un peu et c'est terminé. Et voilà, j'ai réussi. Bravestar, regarde! Et voilà, Morabond et Grox dépendent maintenant du Conseil Galactique. Ils seront jugés pour leurs crimes. Quelle chaleur aujourd'hui! Ah, mais ça brûle! Attention, je ne me plains pas. Non, ça, non. Les beaux soleils sont toujours les bienvenus. Oui, c'est vrai, Charlie, mais nous n'apprécions souvent les bonnes choses qu'après les avoir perdues ou avoir failli les perdre. Ah oui! Après cette aventure, je crois bien que je réfléchirai sérieusement avant de me plaindre. Ouais, moi aussi. Certains d'entre nous passent leur journée à se plaindre un peu de tout, du temps, du travail. Et on ne pense pas assez à ce qu'on deviendrait si on les perdait. Oui, c'est ce qui est arrivé avec les soleils. Et pourtant, il y a beaucoup de choses à apprécier. Nos parents, la nature, les fleurs et les rivières. Sans oublier les chevaux, la plus noble conquête de l'homme.